La congestion elle est partie, je suis maigre. Pourquoi tu fais le bodybuilder? Frère, tu fais le mec musclé à côté de moi, t'es en train de m'énerver. Bah déjà je suis plus maigre que toi, donc tu devrais être au deuxième plan et moi je devrais me mettre là. Comme ça on me voit plus du tout et c'est réglé. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui on vous ramène à Iron Body Heat. C'est une salle d'électrostimulation qui est ouverte à Arras. Tout simplement. Donc les gars c'est simple, on va se mettre sur une chaise et ils vont nous envoyer des décharges pour se muscler. Ils vont nous mettre des électrodes sur le zizi et ils vont envoyer la blinde de décharge. Donc là on part sur la chaise pour vous les guerriers. Donc si vous aimez ce genre de concept, mettez un like. On ne refera pas. De toute façon, on est mort droit après ça. Imagine, là, tu vas te prendre des décharges. C'est terminé. C'est mort, on ne le refera pas. Je le fais une fois, après, je ne le ferai plus jamais. Parce que je sais très bien que ça va faire mal, je le ferai pas deux fois. Donc, les gars, restez là. Juste après le générique, c'est parti. Je sais que t'as peur là. Ah oui, j'ai peur. On drague, et tu relâches en okay. Et à quel moment on va sortir les... Ça arrive. Allez, c'est parti. Vous vous occupez juste des couleurs et de la position. Ah, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Tu dis stop quand c'est okay. Plus fort au niveau des cuisses, ok. Ça pensez peut à dire stop volontaire. Quand je sens que c'est assez fort. Oh. Ah, c'est bon, là, c'est bien. Là. C'est bon. On va aller plus haut. Ok, c'est la possibilité. On y va pour... On va aller plus haut. Ah, t'inquiète, je vais aux fesses. Non. Ça va, ces sensations-là, je les connais quand même. Moi, je les connais pas du tout. Continue pour les jambes. C'est bon pour toi, pour les jambes. Oh. Ah, doucement. Tu vois, au niveau du bleu, il faut que tu sois déjà prêt en position. Parce que si t'es tendu au niveau du bleu, le rouge va arriver, tu vas être. Voilà, là tu supportes plus. Et contracte avant la machine. Wow. C'est vraiment super. Et tu relâches. Il y a tout un travail de gainage à faire alors. Tu dis stop quand c'est bon, pour les mon père, ok. C'est de la contraction volontaire. Travaille sur le principe de contraction volontaire. Là, c'est bon, okay. On va attaquer les trapèzes, ok. Voilà, ça bouge. Okay. Ah, vous le gainez, c'est bon. Ok. Voilà, okay. Contracte, souffle bien. Waouh. Wow. Et tu relâches, tu refous, détends. On y retourne. Allez. Dorso, tu dis stop. Stop. Ok, c'est bien. Baisse. À la crampe. Oh, non, c'était déjà trop fort. J'ai failli en rire. Il doit poursuivre ici. Mieux. Ah, c'est un peu mieux. Okay. J'ai à deux doigts de trembler, là, je l'ai senti. Tu me dis, hein. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est nickel. Ok. Après, on peut attaquer. Allez, on va attaquer les âges. Je crampe très facilement. Attention. T'es tout le temps, je dirais, fragile, là. C'est ça, genre, t'as carrément les deux posés, en fait. Abdos, contracte ton mag, gagne au maximum tes abdos. Tu me dis pour les lombaires. Ah, ok, bien, voilà, stop. Un peu moins fort. Équilibré. C'est plus ça, l'abdos. Équilibré avec les abdos. Oh, ouais, je sens que j'ai les abdos là. Ok. Je crampe facilement aussi. Oh, les abdos peuvent baisser. Fais qu'on y va. C'est pas les abdos, c'est les lombaires. Allez, on va voir. C'est mieux les abdos. Non, c'est fini, c'est sèche. Ah, stop. Sur les pecs. Ouais. Suffisant. Ouais. Ok. Oh, les abdos, ça me tue. Je suis en dessous de la moyenne. Ah, faut baisser, faut que j'ai travail. Gros, je suis à 17 abdos, moi. Oh. Je suis à 25. Oh. Ah, c'est quoi ça? Là, je vais être ici. Ouais, je l'ai senti. Allez, contracte au maximum tes bras, tu contractes. Voilà. J'augmente les bras encore. Et tu relâches. Toi, la contraction, elle doit être intense sur chaque contraction. Hein. Encore. Les bras. Ça m'a attaqué, wesh. Les bras encore ou pas? Contracte maintenant. Et voilà, là, tu reçois l'intensité. Là, tu contractes bien. Tu souffles, et tu relâches. Je vais passer. Voilà. Hop, un pied devant là. Ok, d'accord. Encore un peu. Je sais pas si. Vas-y. La dernière. La dernière, c'est la dernière, les gars. Là. Après, on passe sur une fente avant. Ok. Toujours la même jambe d'appui. Allez, on y va, attention, il n'y a pas de temps. Encore. Non. Jambe avant. Ouais. Je suis pas en position. Ah, elle est crampée, elle est crampée. Allez, là. Ah, c'est bien. Contracte. Oh. Tu souffles. Et tu relâches. Ouais. On un petit peu sur la fente. Le. Position. Les pecs. Et pour les abdos, c'est vraiment pas mal. Les pecs, je peux y aller. Plus un fort. Ça va? Ouais, t'as pas hésité là. Non, j'ai terminé avec les bras. Allez, vas-y. Tu vas ramasser la compagne. Reste comme dans la serre. Toujours la même chance. Ouais. Contracte avant. C'est important. Pour moi, suis bien. C'est incroyable. Allez, continue. Contracte, gain au maximum. Ready, toi, souffle.
Voilà, là t'inspires. Tu vois 4 jours de fois. Non, 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 c'est 15 minutes sans arrêt. Oh purée. Allez, continue. Il va me tuer en rentrant. Allez, on va se battre. Dès qu'on sort d'ici, on va se battre. Alors, change de jambe sur la planche de switch. Allez, 9. Ça doit être bon pour la récup. Alors, tiens, on va vraiment pour monter. Mais je trouvais pas. Parfait, ça. Allez, encore 3, les gars. Le prochain mois, ça sera. Ah, purée. J'étais pas prêt. Le prochain mois, c'est le rolling. Okay. On va faire une barre à vide en fait, on va lever le plus possible, venir coller la barre au bout et les relâcher. C'est la chaise électrique là, je vais venir. Là c'est le rolling, comme d'habitude, le rolling de dos. Ah stop. Là c'est le bras, c'est le bras. J'ai entendu. On contracte et on pousse le coude derrière, tu viens de tirer. Encore. Tirer comme ça, c'est comme un rowing. Par contre, j'imagine que t'as une barre lourde. Donc tu contractes volontairement. Allez, viens, 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 là. Non, non, je suis bien. Pour la courbe. En contraction. On a fait que la moitié. Je sens que ça t'attaque un petit peu de partout. Oh non, il fallait pas le baiser. C'est quoi cette escroquerie? Ah, alors, pas sur place. Non. Prochain, on part d'ici. Point là au-dessus de l'autre. Fléchis sur les jambes. Un bras qui passe au-dessus de la tête et l'autre qu'on va venir reculer ici. Oh mon pouce, je connais pas ça. J'ai un des bras dans le gueule, fais gaffe. On s'est assoufflé, hein, l'enfant. Il veut me tuer! Il a décidé de me tuer! Par côté! Le on fait pas, et là on va venir. Ils ont fait la même chose, ils ont fait le bras de l'autre côté. Ah! Bah, c'est bon! Prochain exercice, c'est une rotation du haut du corps. On va venir cibler les obliques. Prochain exercice. Prochain exercice, on va fléchir sur les jambes. On va les bras autour des pommes. Et on va pivoter que le haut du corps. Toujours du même côté. Oh, si t'es toujours le même côté. Toujours le même côté, on fera le deuxième après. Je remets un peu les bras, tu vois. Côté le bras, ils ont fait la meilleure. Il veut pas. Soufflez, soufflez, soufflez. Non, contracte-le. Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. D'accord, bouge pas ici. Et je relâche. Le bras, il veut faire des trucs tout seul. Mais t'inquiète, tu contrôles. Contrôlez vos mouvements. Contraction, quand t'as soufflé à nouveau. Et tu relâches. Allez, on continue le dernier. Après, la même chose de l'autre côté, les gars. Allez, pousse-moi, Lino, pousse-moi ici, pousse-moi. C'est un peu moi qui prends ta droite. Ça me décale un petit peu. Voilà. Chante, fléchis, fléchis et tourne à gauche. Faites ouvert ce verre. Allez, on continue. 6 comme ça. Allez, position la jambe devant. Ça sent la jambe devant. On ne peut pas l'étendre et on monte les bras comme un levée d'altère. Non, je ne peux plus. Je ne peux pas, c'est pas tendu. Tu peux quand même. Contracte un petit peu, contracte, contracte, contracte. Et là, tu montes. Et après, on a pour l'instant, on met plus en plus. Non, non, non. Essaye pas, vas-y, faut le tuer lui. Non, écoute-le pas. Tu vas m'envoyer à l'hôpital hein, si jamais je suis gêné. Chaud les gars. Oh, on transpire. Facile. Tiens, ne monte pas, sinon je relève. C'est la dernière. C'était pas. Ah. Il a mis, il a fait exprès. C'est la dernière, c'est pour la route. Ah, les fesses. Attention. Non, non, non. Oh. C'est quoi ce truc de vous? Bah, bah, merci. Et après, c'est sûr. Mais on l'a commandé, je te le dis. C'est lourd aussi. Ah. C'est laborieux, c'est difficile. Bon les gars, il y a de la vraie sueur là. On n'a pas fait semblant. Franchement, c'était dur, vous l'avez vu à nos têtes. Hein. Bon, c'est fion. Bon voilà les gars, on se retrouve à la maison pour faire le petit débrief de l'expérience là. Pimous, t'en as pensé quoi? Pimous, il était très sceptique à l'idée de faire l'électro-stimulation. Moi, je suis cassé. Oh, mais c'était lourd. Franchement. Franchement, je m'attendais à un truc dur, mais pas avec autant de ressenti. On ressent vraiment chaque muscle, c'était lourd. Là, je vous explique, j'ai super mal au biceps, j'ai des gros bras, et aux fessiers. Fessiers, je savais que c'était faible. Non, non, moi, c'est pas une question de faible, c'est le ressenti, c'était abusé dans les fesses. Ça fait bizarre dit comme ça, je veux pas mentir. Bon, de toute façon, vous avez vu en vidéo nos têtes, les gars, on est arrivés, tout barrac, tout stock, ils se sont dit cela. On va les partir. Parce qu'en général, ils ont des darons, là, ils ont vu deux mecs jeunes, assez musclés, et ils ont pas fait semblant au niveau de
de l'intensité. Moi je disais stop, ils continuaient, ils croyaient que c'était un jeu. Non, moi je voulais venir, je poussais le truc au max. Ah non. Et je suis content, ils m'ont dit j'ai des bonnes jambes quand même. Moi je la suis coulée douce, je vais pas te mentir. C'est léger, parce que bizarrement il y a des grosses cuisses et j'étais plus au cru au niveau des jambes. Oh non, c'est bon, la flemme gros. Donc toi c'était basse intensité en fait. Oh, moi j'étais basse intensité, j'étais bien. Allez, on entendait que j'étais à deux doigts de cramper. J'étais à côté, j'entendais des. J'avais des crampes gros, ça me faisait des crampes. Et le plus chaud c'est quand t'es pas prêt en position parce que t'as un timing. C'est ça, bah moi c'est ça qui me nique. T'as 3 secondes pour te mettre en place. Et si t'as des bras trop tendus alors qu'il faut être ici, ils font des trucs bizarres. Hop, c'est fini, ouais, tes bras ils sont partis, tu peux plus les contrôler. C'est ça. Et ça fait mal. Mais sinon en soi là, c'est la douleur elle est soutenable parce que ce qui est bien c'est qu'il règle l'intensité par rapport à votre force. Donc au début on commence doucement, si vous êtes à l'aise, il peut augmenter. Donc tant que ça fait pas mal, vous pouvez dire d'augmenter. Et voilà, c'était lourd. Mal dès le début, j'ai eu mal dès le début. Bon, c'est des sensations nouvelles, hein, bizarres. En tout cas, mais la congestion, elle est là. C'était bien, j'avais envie d'essayer, je suis content d'avoir essayé. Ah, moi, mais beaucoup d'appréhension à l'arrivée, j'avais peur. Quand ils ont commencé à nous équiper, j'ai commencé à me chier dessus. Quand ils ont commencé à mettre les gilets et tout, c'est du oh là là. On savait qu'on allait se prendre des coups de jus au final. Ouais, mais... C'est comme si on t'a amené sur une chaise électrique. C'est ça. T'as pas envie d'y passer. Moi, je suis un chien, moi, on met un collier, on met des coups de jus quand je fais des bêtises en fait, c'est ça. Non, c'était lourd, vraiment, c'était lourd. Après, les sensations, je sais pas comment on peut vous l'expliquer, mais au début, quand c'est lent, on dirait des petits massages. Genre, des petits ronds. Comme si c'était une chaise, tu sais les chaises masseuses. Ouais, c'est ça. Et ça vibre dans ton dos, ça me faisait pareil. Et plus ça augmente, plus tu sens que ton muscle qui travaille et là ça commence à picoter. Et moi au niveau des fesses, j'avais l'impression qu'il y avait un mec, il s'amusait avec un vibromasseur derrière ça, non. Et toi, de toute façon, à côté, je t'entendais des. Ah, ah. Moi, j'avais un mec qui s'amuse dans ton cul, toi. Il était parti plus loin que prévu. Mais non, franchement, c'était trop. Les gars, la première séance, c'est pas un partenariat. On voulait juste essayer, voir que deux gros musclés s'essayer à ça. On aime bien. Je suis sûr que vous avez rigolé à voir nos têtes, tout ça. Les gars, essayez juste pour le plaisir. La première séance, elle est gratuite. C'est pas un partenariat. On connaît pas Iron Body. Il y en a un peu partout en France, je crois. Il y en a un peu partout, surtout dans les grandes villes. Nous, on était à Arras, là, à Duisans, précisément. Il y en a à Béthune. À Lille, dans le sud, vous devez en trouver aussi. Et franchement, essayez, c'est gratuit. Prenez un pote, allez-y, vous avez kiffé, ça dure 15 minutes. Les gars, ils sont super sympas. Franchement, le personnel, on a été accueillis comme des rois. On aurait dit c'était nos potes. Ouais, tous souriants, agréables, ils connaissent leur métier. Ils sont coach en plus, tous. Tous. Et franchement, c'est lourd. Petite douche à la fin, serviette, gel douche, déo, tout ce que nous, on avait rien prévu. Hein. Vous le connaissez, on l'a organisé sur la FF. On est arrivé, il y avait tout, gel, sèche-cheveux, douche, tout est propre, tout est nickel. Les gens ils sont tous autour de vous, vous allez pas être seul pendant la séance. Et bonne ambiance, franchement c'était lourd. J'ai kiffé. À refaire. Non. Moi je vais signer. Rendez-vous mercredi, on vous parlera de l'électrostimulation plus précisément. On va vous dire si c'est un plus ou pas en musculation, les avantages, les inconvénients. Bon, pour ça, activez la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo entièrement. Rodin, dis-leur de liker la vidéo. Oh, ok, c'est sympa. Chop. Ouais. Likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve mercredi. C'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de Imous, Rodin et Didio. Force et fun.